Pour que tu partages ma sangue avec les Kanakati, la République démocratique du Congo, les lots Oyo, Toloba, Tolobate, et Nakati Mboka, Nabiso, est-ce que tu as des droits à Ezali? Est-ce que Mboke Kotambola Malam ou est-ce que Mboke Kukumba Mamalam? Les lots Oyo, Tokobeta Masolo, Nao Etali, vie politique et la République démocratique du Congo, et Tokobeta Masolo, Nao Etali, sécurité à Mboka Nabiso, les lots Oyo, Franck Diongo, Ndeko Franck Diongo, Otokobele la Franck Diongo Ozare, Franck Diongo Tolali Tolamuki. Tozui information, Franck Diongo Ozare, Franck Diongo Bakangiye, Franck Diongo Bamemiye, Bakeina Franck Diongo Wapi, et situation est allée Nengenini, Nini et Saliete, Bakanga Franck Diongo, Nios Tokoe, Bangona Kati émission à Bissou à Lelo, Toko partage Lelo Oyo. Prophétie et bimaki, est-ce que prophétie wana et kokumba manandenge sengali déjà tout moni était les non présentations aux élections aux échéances électorales en 2023 awa mon amoka Martin Fayulu a lobi été nana ko se présenter na ngate na ba élection mon amoka a boycotté na ba élection mon amoka boy na ye ko se présenter a lobi été parti na ye décidé ko présenter ba candidat na ba niveau nyonso ya mapona mieux ezali ko ya te lelo oyo. Est-ce que ça n'est pas paradoxe au sein de la politique de la République démocratique du Congo, comme on a été après Martin Fayulu qui a été aux États-Unis, à Zongi, Awa, à Lobi, et on a postulé dans la tête. Mais de l'autre côté, comme on a été sous le président honoraire Joseph Kabila, à Lobi, à cause de la discours de la nation, à cause s'adresser au peuple congolais, mais à cause s'adresser au peuple congolais, non étant président honoraire, mais à cause s'adresser au peuple congolais comme président pour qu'il a sauvé la situation chaotique. Ils ont dit la République démocratique du Congo. Nani a kolo babo solo na mboka oyo. Est-ce que makambo ko s'annoncer déjà na proche na ba future proche oyo et ko bangisa te que to kozala na période moko ya tension makasi na République démocratique du Congo. Ni osoa to ko yeba ngona émission na biso ya lelo et comment na wapi décision et ya Union européenne ya ko ko sa quitter na bande ko Emmanuel Chadari na ndeko Kalev Mouton lelo oyo de Kouan, basali libre à circuler même dans la zone européenne, basali libre les lots Oyo, nous c'est les qui ont empêché Bango et Zali Bongo décanter les lots Oyo, situation Moka et qui ne n'engeni ni Moka na miso République démocratique du Congo, tout comme tu as mentionné la situation sécuritaire et pas y wapi bande de Kouan, force y a autodéfense Bango pe basali réaction face à M23, basali nini Moussa na Bango Zala ki nini et puis bah gagner nini. La carte émission la biso to koyeba yango parce que situation sécuritaire est ko préoccupé et ba congolais nyonso bongo na ngambo pe FARDC a récupéré bongo ba localité oyo ezalaki bongo na maboko ya M23 et déjà bitumbe ko s'annoncer mame na carte ya parti est ya mboka na biso na banzi ete. Il y aura du show parce que mon cannabis oyo ezali mboka ya ba congolais. Voilà un peu oyo nyonso ba matière to ko partager l'émission na biso de parce que lelo oyo makale ko tika la putuwe komata mai ningani esengel to la kisaba vérité oyo ezali pour que ba congolais nyonso ba meka un peu ko s'encaparer na ba vérité oyo ezali nesika to ko mettre en place lelo to ko beta masolo na mona mboka le président Marcel ye longo na ye to ko solo la ba sujet ko le kanaka de la République démocratique du Congo wapi e pa wapi ba congolais ba komona mboka e ko développer e ko atteindre émergence to mboka e ko reculer. Position, il y a pouvoir en place, position, opposition, position, il y a vie politique, il y a Mboka Nabiso et Komi Wapi, Toko Kende Wapi, mon Mboka, président Marcel Mbote Nayo. Mbote, messieurs les journalistes. Nabandi et Lelo Oyo, la situation que les Kanakati, la République démocratique du Congo, et Koubangisa. Mais eko sala pe congolais ala nae, moi angele, kota la wapi, la situation que les ka. Nabandi et moi Mboka Franck Diongo Ozare. Nini sali te bakanga ndeko Franck Diongo mais avant cela nena kotuna yo mwa motuna moko nanu avant to kota na kati ya sujet ya biso to annoncer déjà boni basango ya dossier ya bandeko ya aner na mboka na ngambo ya ntele
Bandeko wana bazo continue toujours kolala la belle étoile à cause ya une dame Angélique Lamba Dembo qui azo kanisa ki toi toujours na deuxième république où il faut manipuler certains officiers ya garde républicaine ba mettre bana mboka libanda na ba famille na bango avec des bébés. Cette situation on a vraiment ezo préoccupé biso makasi. Parce que Namboka Oyo, il n'y a plus des hommes forts, il n'y a que des institutions fortes, comme voulait le chef de l'État. Mais tout le monde, cette dame s'est comporté comme si Yé Azali au-dessus, Yamibe Koyamboka, au-dessus Yabakondi, comme si nous étions dans une jungle où Yé a manipulé la justice, a manipulé la garde républicaine, qui est à un niveau à démolir Banda, qui est paisible citoyen. Ba buki banda kuna bango ba emporter nyonso ya bango bien na bango lelo otolo babaza à la belle étoile ba ola la libanda vraiment situation auto singa ba kondi ya mboka o balanda kabiso à travers notre magazine na Congo Live ba meka impe ko s'imprégner ou ko intervenir dirigeance na situation o parce que ba tuana o balala libanda wana bazali électoralement ba chef de l'état. Et on a le bâti une émission précédente awa ba tu o ba osala makambo wana ces officiers là pour qui bazo jouer. Est-ce que bazo joue un avantage à chef de l'État ou un désavantage na parce que batouana au balai libanda wana baza électoral à chef de l'État et beaucoup d'entre eux ba vota chef de l'État et bazala qui peut déterminer à couper sa chef de l'État nini ba voir na bango mais comme on a le lengue nini ba officier oyo ya garde républicaine ou ba promettre bango ba 5 hectares pour ba mettre ba congolais wana libanda en tout cas ezamala mumingite et on toujours lancer toujours la sonnette d'alarme auprès à numéro 1 à garde républicaine, le général Ephraim a meka un peu qu'on s'imprime dans la situation wana, a meka un peu qu'on benda matoy na ba officier mi balé wana oyo baza la manœuvre ya situation oyo ba bazo le lisabana ya mboka bazo la libanda pandaki ba bimisa ki mbongo na bango ya pasi les agents ya service d'intelligence na biso pour ba atterrir mabele wana. Mais toujours de l'autre côté aussi, la justice congolaise se laisse manipuler aussi par cette dame là. Au cours d'une émission, Awa, en aucun cas, sur le plan des droits, une réquisition d'informations qu'on remplacer ou annuler un jugement. Ça ne s'est fait nulle part. Voilà pourquoi le chef s'est plaint autrefois dans la justice Oyo, mais la même justice continue toujours dans la salle Bézon Nayango. Et on a lancé appel à cette dame-là, la ministre de la justice, à mettre un peu qu'on s'imprègne dans la situation Oyo, il y a Bande Gonabiso, il y a Situana, il y a Yansele, au bazar la belle étoile, pendant que bazar dans l'air droit, pendant que bazar déguerpi illégalement, parce que cette dame-là ne détient aucun document où ils ont permis de déguerpir, de site na bango. Nabandi ete Madame Rose Mutomboa, Kolanda Biso, Nanzela ya ba onde ya Congo Live Télévision, il y a comme une situation parce que l'état des droits n'est pas annoncé qui a mis Ali Bongo, cheval de bataille, chef de l'état. Félix, toi, tu sais que tu es l'ombo et l'ombo est allé, chef de l'état, le col à Kumba Melo et mon condiambo qui est allé bafoué. Ce qui est allé bafoué, c'est que les allés manquent à respect et pas à mon condiambo parce que mon condiambo qui prône l'état des droits, mais l'état des droits, ce qui est allé bafoué, les allés négligé, les allés qui manquaient, chef de l'état, respect. Et on a signé à Madame la Justice Rose Mutombo. T'as la situation on a parce que elle a interpellé la population congolaise. Mobimba pe bandeko bakolela na kombo ya justice. Oyo ezali ko kumbama na mabuku na yo. Na bandi etelelo oyo na kati ya République démocratique du Congo. Situation politique ya mboka oyo elle a inquiété, elle a bangisa, elle a la peur na lopoto ndenge tolobaka na kati ya bayi mboka na bayi politique na bayi congolais. Lelo oyo mwana mboka Frank Diongo. Encore à Ozari, mon amboké Kolobela Ondengeni. Oui, tout la mouki, tu apprendre que mon amboké Frank Diongo a été arrêté par nos services d'intelligence. Pour moi, l'obaka d'abord, avant qu'on émette un point de vue sur ça, naebi sakabino à chaque fois que nos services d'intelligence, bakanga moutou pas mbate. Ceux qui bajou détenir l'information sur lui. Alors, le kola bakangiye, tout ce qui est la primaire, on a na bango. Je pense que s'il y a quelque chose à reprocher à Frank Diongo, tu as bango dans les heures qui viennent. Mais pour l'information, tu as dit que tu as dit que Frank Diongo, à niveau de Willeri, par nos services d'intelligence, au bas au reproché, ils ont révélé, à niveau de la presse, même à niveau de la Bissot. Tout ce qui est la primaire,
Ce qui a repassé dans l'interrogatoire sur base d'information, bah, je vais détenir contre lui. En ce moment-là, tu as repris sa pointe de vie. Il faut rester, il faut que tu comme il se doit. Je pense que tu es le Congolais, le Kamoua, 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 le Tshisekediste de sang, le Kamoua, le Kamoua, le Sphinx, le Kamoua, il le pèse le pouvoir, mais Franck Diongo a subi arrestation. Moi, je pense que tu as interpellé. Non, ça y est, une mauvaise lecture. Tu peux être tshisekediste, mais il faut tambola conformément à Mibé Kwamboka. Être tshisekediste ne veut pas dire que non, aux gens en marge à la loi de la République. Et on a autre ébisao, awa, je ne pense pas, connaissant, si lui a conduire destiné à Mboka Oyo, moi, Mboka Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il ne peut en aucun cas kokanga moi, Mboka Franck Diongo, pour des raisons Oyo, et ça n'a pas malignité. Moi, je pense que ceux qui ont service, n'a pas été interpellé Franck Diongo, il doit y avoir une information contre lui. Il y a un autre qui a dit que le service compétent, c'est la Moussa Nabango. Je pense que dans les heures qui viennent, il y a la vraie raison, il y a l'arrestation à mon amour, Franck Diongo. C'est tôt, il y a qu'on mettre l'opinion à un point de vue, parce que Moutoumoro Tayebi, les vraies raisons de son arrestation. Voilà pourquoi tout ce qui a service Nabiso. Mais à ceux qui ont un Yebi, nos services d'intelligence, et quand on a un Pambaté ou interpellé un Pambaté. Toujours sur base des informations aux réseaux détenus contre la personne. Le Kolabakangi, moi je pense qu'il doit y avoir des informations contre lui. C'est au service maintenant, tant qu'on va entendre, à passer dans l'interrogatoire, tu vois la vraie raison où il va interpeller qui mon amboka. Et puis, Kolabakangi est pété. Interroger. Je pense que c'est aussi par rapport à Moussa Nabango, Moutou, sous la soupçon qui pesait sur lui. Il y a la vraie version par rapport à les concernés. Tout ce qui a servi à Moussa Nayango, il est arrêté, il y a un bureau, il y a un service, il a passé dans l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, je pense qu'il va libérer. Récemment, ici, il y a un directeur du cabinet à mon amour, Jean-Pierre Bemba. Il a aussi été arrêté par nos services, il a passé dans l'interrogatoire, il a moniqué. On est aussi reproché ni le mot côté, bah libérer qui est calmement. Donc, quand on l'a longuement mécanisé, ceux qui va interpeller Moutou, forcément, il faut qu'on va canguiller, non. Bah, quoi, ben, yo, bah, on va appeler information sur vous, sur les cambouments, bah, nango, par rapport à yo, yo, nous, mais on va éclaircir, bango, la vraie version. Je crois que c'est ça. Nabanti était lelo oyo nakati mboka na biso ezali toujours difficile comme on a été moto oyo ba interpellé par ba service na biso intelligence ba interpellé moto ezala moi pas si comme on a moto et sima abimi ezali ba kaya kotanga mais lelo oyo comme on a Franck Diongo oyo bongo a se rebella qui na pouvoir en place parce que yazali pe moko ya famille politique oyo kokumba pouvoir lelo et le lengi kani a se rebella qui le lengi kani abane ko revendiquer le lengi kani yazali na posa pe quand même a participé na bitumba oyo ye abunda na kati ya parti lelo oyo parti et ko za na pouvoir ye pa na posa quand même a sepela na mo moment oyo mais ko sepela na ye bunganele ki malheur na kati ya politique ya mboka na biso non trouve ko lié arrestation ya Franck Diongo na oyezali ba ambition politique na été. Donc, on a topé sa connotation politique. Comme si que Franck Diongo a été arrêté par rapport à ses opinions. Moi, je ne pense pas. Franck Diongo est libre de soutenir ou de combattre les régimes Tshisekedi. Nous sommes dans la démocratie. Si hier, il avait combattu Félix Tshisekedi, après Moko, Aéko s'est rattrapé. Après, comme ça, Félix Tshisekedi, dès lors qu'il a trouvé gain de causité, à Zongi Souko combattre Félix, c'est dans ses droits. Il est libre. Mais moi, je pense que l'arrestation de Lelo est liée à l'opinion politique qui a été. Il faut que vous la part des choses. Les services, il y a l'intelligence qui a été et aussi la Moussala Nayango. Il a interpellé Kabatou, arrêté Kabatou sur base des informations qu'il détient. Moi, je pense que le Kola a interpellé Mwanamboka, Franck Diongo Lelo. Je pense qu'il a collé un interrogatoire. C'est pourquoi dans le bas, il y a un peu pressé, il y a un peu de Tozela, ma première information, après que ces derniers soient interrogés ou a passé dans l'interrogatoire, tu vois maintenant la vraie version d'arrestation. Mais tu lié à l'opinion politique. Na été. Moi, je pense que c'est un démocrate. Aujourd'hui, on a combattu opposant, un journaliste, un finga à la longueur de la journée. Je pense que c'est inquiété.
parce que c'est de leur droit. Bien que la démocratie et sa liberté n'a jeté. Mais c'est ce qu'elle dit, parce qu'il y a eu comment. Mais c'est tout souffrant dans la dictature de Mboka au pendant tous les régimes. Il y a un moni peut-être, il y a un touché, bien que il y a un au-delà de la démocratie. Il y a une commission de libertinage, il y a un touché même la vie privée à chef de l'État. Moi, je pense que même ailleurs, ça ne s'est fait jamais. Mais du moins, pour le cas de Franck Diongo, il là. Parce qu'il vient à peine d'être arrêté, il y a ma première information. Au prix à ma service, la vraie raison est l'arrestation. Est-ce que le loto koloba pouvoir en place à quoi ça la chasse aux sorciers? Parce que le loto koloba, c'est seulement les opposants qui sont traqués à l'heure actuelle. Parce que est-ce qu'ils allaient parce que tout le monde dans ma ponami? Est-ce qu'ils allaient parce que pouvoir en place à l'ingé était abrigué ma ponami? Ou là, la seule face à Yayemo comme on a. Je pense que le régime actuel, surtout dans la gamme opposition, en tout cas, opposant moi, à carrière même à Félix Tshisekedi Azate ou Félix Obama Bango. Sauf que dans le temps au cours de mes émissions précédentes, opposition maintenant, nos services et comme au talab opposant à l'île Soumoussous. Parce que les leaders opposition, baza porteur, il y a plan moko macabre. Oyo, bah impérialiste, bah pessi Bango, pendant que c'est mes chaos na katambo kanabiso. Il y a un monde service maintenant, bah fongoli bah braquer maintenant mis sur opposant wana. Mais ce sont des criminels. Ils sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Ils sont prêts même à tuer la moitié de la population congolaise, ne serait-ce que pour Nabango, à comme le président du Congo. Il y a un monde Congo. Tuerure la partie est, ils ont préoccupé cette opposition. Il y a un monde nulle part, il y a allusion, il y a massacre, il y a tuerure dans la partie est. Parce que ce qui préoccupe aux opposants, ils allaient pouvoir pour le pouvoir. Quels que soient les moyens, quels que soient les moyens, Bango, il y a un président du Congo. C'est ça le problème. Alors, tu y a un général Bango caché, il y a un monde une certaine opinion qui est qui, lorsque il y a interdit à qui, moi, en Mboka, Moïse Katumbi, Souriano Nissi, à côté de la il y a Bakongo et puis Nakati il y a Bandundu. Mais il y a quitté les informations où nos services détenus contre les concernés. Mais il y a des choses qui sont très dangereux. Dans la minute, vous devez comprendre une chose que les impérialistes ont commis qu'ils perdent déjà Congo. Maintenant, ils veulent jouer le tout pour le tout. Maintenant, ils vont le jouer par l'entremise de ces soi-disant opposants. Et on a dit que les opposants, porteurs, il y a plein de choses macabres contre notre pays. Un plan machiavélique. Il y a un moment où nos services d'intelligence, au regard de l'information, ils détiennent toutes ces informations, nos services, ils ont les yeux braqués sur ces soi-disant opposants. Mais est-ce que vous avez moyen de mettre de côté quand même quelques têtes et opposition pour que les lois et pouvoir en place à passer et pouvoir nailler et tranquillement dans l'élection et les koya. Nabisaki Awa, de tous ces quatre leaders et opposition, Moutouazali n'a carré à Tshisekedi Azate. Mais les preuves sont là. Ils ont tenté d'organiser une marche le 20 mai. Pour les quatre leaders de l'opposition, Batoubaye, moins de 1000 personnes dans une ville de 13 millions d'habitants. Et il y a un signe. C'est ça le thermomètre même. Il y a un électorat à Batou. Est-ce que les Congolais ont mis tambolara marche? Il y a une décision. Il y a une décision. Il y a vie politique. Il y a une urne. À 4 ans seulement, il y a opposition Congolais qui ont les mandés. Et nous qui avions fait alors 37 ans, il y a opposition. Tu le mates pourquoi? C'est pour vous dire que non. Batouana bazana ba militante. Bake nane ko somba batou. Parce que c'est là, c'est traduit par la volonté oyo ba manifesta ba sala kanango so ba bengi ba na milunu. Et on a bisoli de pes, marche Zali. Je me prépare en conséquence. Tant on a demandé à Kounanga que na ke marche, na ke ko bundela mboka nanga. C'est ça le moral. Oyo ba combattant na ba militant o bazo bunda pona mboka na bango ba salaka na yango. C'est pour dire que ces gens-là, ces soi-disant opposants n'ont pas de militants. Voilà pourquoi ba yaki awa ko tambola na ba commune na biso na ko somba ba conscience. Excuse, il y a certains Congolais ba répondre présent na ba manifestation na bango malheureusement échoua qui moyennant l'argent.
C'est pour dire que l'opposition, bah yebike, bah ça n'a face il y a dilemme. Oyo, sauf que dans l'élection, bah avec Tshisekedi, tu peux essuyer poussière. Il y a un moment où certains d'entre eux, bah on dit qu'on s'est rétracté déjà, t'es n'arrosala candidat. Pour bah yebi bien que face à avec Tshisekedi, peuple congolais à l'unanimité. Bah, c'est décidé qu'il faut tout payer deuxième mandat parce que tout le monde est volonté au hasard dans Yango, na bolingo na pour na Congo. C'est ça le problème. Toko tambala moko na dossier oyoyo fongoli brèche oyo ezali ya non présentation ya mwana mboka Martin Fayulu aux échéances électorales ya 2023 ya décembre oyo 2023 lelo oyo, est-ce que c'est une décision encourageante ou soit ezali et kolandisama na situation oyo mwana mboka Martin Fayulu amoni ete awa fraude ezali awa makambo ebele ezali audit ya fichier électoral bango ba ko senga ete ba visiter yango ba yeba makambo nini ezali na kati wana kasi seni a permettre bango te alors makambo wana nyo se sali ete mwana mboka Martin Fayulu a renoncer na efface ya ba échéance électorale ezali koya, est-ce que ezali une décision encourageante oyo mwana mboka azui? Mais cela se justifie par rapport ya complot ba kendaka na Lubumbashi na messe noire ba kendaka na Lubumbashi, Fayulu devait laisser la place à Katumbi, c'est ça la vérité. Donc qu'il cesse d'embrouiller le peuple congolais ou une certaine opinion au bazo comprendre politique. Je crois il a été dit clairement que le candidat opposition ça sera Moïse Katumbi Soriano Nissim. Yango moni mwana mboka Fayulu a renoncé déjà bien avant pour laisser le couloir maintenant na Katumbi comme veulent les impérialistes, parce que candidat na bango na ya Kagame na ya européen ba occidentaux c'est Katumbi. Voilà pourquoi mwana mboka Fayulu n'a pas le choix, il n'a qu'à s'incliner parce que yango moni lelo c'est la fuite en avant. Moi je pense que les élections lelo oyo mwana mboka Kadima qu'organiser connaissant la personne par rapport à expertise née en matière électorale, lelo peut-être ce qu'on conteste yango c'est que peut-être il y a des mauvaises foi parce que lelo tout non se ça tiré au clair ba ya ki ba sali audit affiché électoral ba bien ça qui va partir prendre na carte élection ba o ba répondre qui présent ba ya ki sauf Martin Fayulu et Katumbi, et lelo il réclame maintenant l'audit affiché au ba salonga pour na Fayulu. Les élections ce n'est pas autour de Fayulu, c'est autour de tous les Congolais, toutes les parties prenantes. Ce qui yo au estimatique na royana ngaiti ba o ba ya ki wana ba s'imprégna ki na réalité o zo le kana kati ya seni, parce que la seni a organisé qui je crois 5 jours ya porte ouverte ko pesa ba partie prenante ba mec un peu ko le fait équivoque na ba o isaki ba doute ba vérifier les fichiers électoraux ba ta la nyonso ne zo le ka na bosemo. Ce qui une partie ba ya ki na bangote ba estimer que c'est un mot important pour Nabangote. Lelo, il faudra maintenant que les trains puissent s'arrêter parce que Fayulu a l'ingé basse la volonté naïe. Les élections, ce n'est pas la volonté de Fayulu. Moins encore des opposants. Les Congolais doivent comprendre ça. C'est la volonté de tout un peuple congolais. Si quelques-uns estiment que, bah, ok, le moment de l'élection, ça n'engage que, les trains sont en marche, comme je t'avais dit autrefois, les trains à l'élection est déjà en marche. Il est libre parce qu'il va participer à l'élection par rapport à volonté à Monto. Non, à renoncer à la candidat, ça n'engage que lui et ses militants. Mais tu dis que en décembre, il y aura des élections. Oh, tu sais que battre Bango, oh, la main à Kei. Nabandi été question il y a élection ou il y a question moko très pertinente parce que lelo oyo to kotala na ngambo ya ba leader ya opposition bazala ki bongo et mon ambo ka Moïse Katumbi Delisa Isanga Matata Ponyo Martin Fayulu et Martin Fayulu déjà désisté tikali les trois autres déjà oyo et ko bangisa ezali été comment na été lelo oyo Martin Fayulu où Azalaki Bongo avec beaucoup de popularité dans l'élection passée, Lelo Oyo na élection Ezali Kopusana a renoncé na ye. Est-ce que Lelo Oyo toi cause la alternance na 2024 na janvier? Tshisekedi a cause la le président Oyo Yemoko a cause la propre successeur na ye, parce que en face na ye tomoni il y a pas opposant Oyo a offert père na Félix Tshisekedi. Pour paraphraser encore Mambolobi à Fayulu, on a dit que Fayulu n'a fait que répondre à ce qu'il a à mettre na bango. On a dit que tant que tu es en Suisse, en Genève, on a dit que Fayulu
Azala qui est un candidat fabriqué par les Européens. Il était la volonté yaba libéraux belges, ni ba fabrica Fayoul, au détriment de Félix Tshisekedi, qui était le candidat potentiel à peuple congolais. Par rapport à ces complots, ba fabrica Fayoul, c'est ça l'histoire. On a fabriqué Fayoul pour faire face na Tshisekedi na candidat ya Kabila Ozaki Ramazan Shadar. Alors, lorsque le complot a échoué, le complot était d'imposer Fayoul comme président. Lorsque le complot a échoué, Fayoul, il fallait qu'il soit comme président, il n'allait que faire deux ans. Or, le mandat est de 5 ans. Mais le Congolais se posera la question de pourquoi, dans la charte où il a signé à Genève, il a dit Fayoul, il fallait ça là 2 ans. 2 ans, on a dit ça là, au profit de qui? Et puis, sur base, il y a quel soubassement. Or, la constitution l'obit que non, le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pourquoi ça là qui est en haut? Parce que, le Kola Kabila avait empêché Soriano Nissim, alias Katumbi, de se présenter aux élections en 2018. Alors, le moindre mal, c'était Fayoulou. Bazoyer, parce que, Fayoulou et son parti, il y a un ancrage qui était dans le Congo. Il fallait fabriquer maintenant, soit bien mis président, alors ça là, 2 ans, pour réorganiser encore les élections au profit de qui? De Soriano Nissim, alias Katumbi. Voilà, lorsque ce plan a échoué, maintenant, on va revenir à la plan au départ. Parce que les candidats européens, ils sont là qui toujours Soriano Nissim, alias Katumbi. Yangomoni Fayoulou, connaissant les G, les complots à Genève, il a désisté toujours au profit de mettre Nabango pour laisser la place au candidat potentiel européen qui est Soriano Nissim alias Katumbi. C'est ça la vérité. Est-ce qu'ils allaient jeter Nangambo ya Fayoulou comme on a l'élection passée à l'Oba qui était machine à voter, et une machine à voler à l'Oba qui a moi, c'est une campagne, mais par après tout comme on a été mon amboka, Andimi malgré machine à voler, qui machine à voler, Andimi qui a été l'élection, bongo, Andimi à s'assumer. Na... processus électoral Mobimba. Lelo oyo processus électoral déjà est en cours, mais moi n'ai pas lobby été ngana ko se présenter té. Est-ce que ezali dou ezali ba dessous des cartes tito ezali ba jeu oyo Martin Fayoulou ko sala té. Les dessous des cartes yango na PCU. Fayoulou a désisté au profit de Soriano Nissim alias Katumbi. C'est lui le candidat potentiel ya ba impérialiste. Parce que Fayoulou a yeba ki complot ya Genève malam. Fayoulou, Yebisanganano, par quelle baguette magique, lui avec son petit parti, qui n'avait qu'au moins 100 militants, pouvait être candidat en 2018 comme candidat président de la République. Il était le moindre mal. Lorsqu'ils ont compris que non, Kabila connaissant les G, il y a les libéraux belges, il a empêché Soriano de se présenter comme candidat aux élections. Maintenant, il fallait prendre le moindre mal, qui était Fayoulou. Il connaissait les plans. Il y a un moni. Notre ministre, il y a un ministre d'État, alors ben Rombou Sanyamouissi, Fayoulou, plan Abisso ou complot Abisso, et si déjà échoué, tout Kabilo Kouana. Bon, les complots étaient là. Maintenant, tellement maintenant, Balingiba Zong, il s'est complot, on a dit, c'est là qui au départ, l'air candidat, c'est là qui Moïse Katumbi, espérons pour eux que Katumbi sera candidat. Alors, on a éligible aux élections en 2023. Voilà pourquoi déjà, en amont, Sengina Fayoulou déjà a désisté au profit à Katumbi. Vous comprenez? C'est ça les plans et les calculs. D'abord, Deli Sesanga, c'est un trouble fait. Hein? Est-ce que Deli Sesanga vraiment a commis 100 000 pour être candidat? Pourquoi on a voté? À part sa femme et ses enfants, on a voté Deli Sesanga. Mais Azali, quand même, député national élu, mon ami. Oui, niveau, on a député national. C'est ça son niveau. Donc avec tous ces brouhahs à la Kawana, les niveaux à Deli Sesanga, c'est-à-dire niveau na Ezali, il y a député national ou ministre. Un niveau comme président Namboka ni. Tout ce qui va vantir Namboka, oh là là, la Mukio, n'a pas candidat président de la République. Est-ce que Deli Sesanga peut être voté même dans la ville à Kinshasa? Donc ce sont des gens, ce sont des troubles faits alors. Baya Kawana, pour toujours qu'on a misé galerie. Je serai candidat. N'a pas voté Deli Sesanga. Par rapport à leur G, par rapport à leur complot, leur candidat c'est Moïse Katumbi. C'est ça les candidats à Rwanda, candidat européen, impérialiste. C'est lui, Soriano Nissim alias Katumbi. C'est ça leur candidat.
tous ces troubadours wana va désister au profit naïe parce que c'est lui le potentiel candidat ya ba impérialiste en Bokanabiso. La même chose était lelo oyo toko vivre paradoxe té na carte République démocratique du Congo et pas yopi. Moi na mboka Martin Fayulu a renoncé naïe na ba élection ya 2023. Et lelo oyo situation est ko bangisa parce que lelo toko mona Martin Fayulu après ko uta naïe na États-Unis ou nire azwaki injonction à lui et situation moko boekoya aye malamo ko point de presse a renoncé. Est-ce que les alliés injonction te outi et pas ya bande ko na biso ya libanda? Mais c'est ce que je viens de vous dire, même ça qui awa que Soriano Nissim alias Katumbi ba engagea un cabinet ba lobbying na États-Unis. Je crois vous avoir dit ça au cours d'une émission ici qu'il y a un complot qui se prépare aux États-Unis contre le Congo et contre notre chef de l'État. Même ça qui ango parce que Tshisekedi lelo a commis bête noire pour les Occidentaux. Parce qu'il ne veut pas céder. Dans l'Italie, avantage, il y a Congo. Vous comprenez? Il y a un moment où tout tourne autour de Katumbi. Parce que ce dernier a engagé un cabinet à lobbying dans les États-Unis. Je crois l'émission prochaine, on a Combo. Je crois Smith, il est sénateur américain. C'est lui qu'il s'agit. Je veux convaincre un peu beaucoup de sénateurs au profit à Katumbi. Malheureusement, je leur dis, le Congo est un État dans les États-Unis. Le Congo, c'est un État souverain. Où le peuple congolais a décidé à capon venir na voie à Irne. Voilà. Les Congolais sont déterminés à relire encore le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son deuxième mandat. Pour nous un peu matérialiser son plan pour le bonheur du Congo. Est-ce que toi, comment le président Martin Fayulu a gardé toujours légitimité na été depuis Abanda Constance Naye, ni qu'aucun na union sacrée a défendre toujours côté la population lelo oyo a moni été Denis Kadima azali bongo lolenge kani bandeko ya esidé ba koloba Denis Kadima azala ki bongo membre pe cadre ya IDPS na kati Afrique du Sud avant qu'on contribue ba cotisation na union so comme étant membre et cadre nani ya IDPS lelo oyo le même wazali membre et cadre IDPS na Afrique du Sud lelo azui tête ya CENI to komona kuna edie donné kamuleta alors ba bandeko ya esidé ba koloba azali proche ya mon amour comme président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que face à tout cela mon amour comme on a dit déjà que ils allaient déjà machine mon co déjà en place pour la fraude ya mon amour comme Félix Antoine Tshisekedi ça la deuxième mandat alors bien face à cela na boy na cause sa population nana on s'est prononcé dans gâté. Est-ce qu'ils allaient parmi ma raison t'es celle qui était les lois mon amour comme Martin Fayulu a renoncé face ya échéance électorale. Toutes ces allégations, c'est pour justifier leur échec aux élections qui se pointent à l'horizon. Kadima n'a jamais été membre de l'IDPS en Afrique du Sud. Je pense que Kadima Lelo, Moutouakoui, a contesté une expertise n'a été en matière électorale. Je crois que ce que Tali il a apporté un plus dans beaucoup des élections dans l'Afrique. Donc c'est un monsieur à respecter d'abord. Deuxièmement, Kamuleta n'a jamais été proche de Tshisekedi. Tout ça, l'allégation, c'est déjà pour préparer la contestation. C'est ça le jeu de l'opposition. Oh, monsieur Tébi Malambo. Pour justifier le lobby contestation, il y a un monde qui est un membre de l'IDPS en Afrique, c'est un mensonge. Un mensonge grossier. Et puis malheureusement, il y a un soi-disant professeur réincidé. C'est ça le problème. Au Congo, nous n'avons pas des intelligences, mais nous n'avons que des diplômes. C'est ça le problème. Vous comprenez? Toi, tu as l'intelligence dans le Congo. Toi, tu as un diplôme à Mineni. Professeur 1. Mais si tu as un diplôme, tu n'as rien, il y a professeur 4. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Lelo, Tshisekedi fait peur. Et à l'opposition, et aux impérialistes. C'est ça le problème. Tshisekedi, c'est un candidat potentiel, il y a peuple congolais. Peu importe les complots, au bas, ça, là, ailleurs comme Nakati. Tshisekedi, c'est un candidat potentiel, il y a peuple congolais. Au le peuple congolais, à l'unanimité, il a déterminé, il y a coupé, ça y est, deuxième mandat, pour amener un peu comme matérialiser sa vision
et puis mettre et pacifier la partie est en Mboka na biso papa. Fayulu na auto biso awa Fayulu ne répond que na cahier des charges ba mettre na bango. Parce que selon leur maître, les candidats potentiels pour les Européens, c'est Moïse Katumbi alias Soriano Nissim. Fayulu azala ki neti pièce de rechange. Vous comprenez? Les Européens ba yebi Fayulu te. C'est ça la vérité. Parce que Fayulu a carnet d'adresse moroté sur les plans politiques de Bomona Kayewana. Fabriqué pour les besoins de la cause. Parce que Moïse a été écarté par Kabila, on n'a pas le choix. To joyer kaka Moïse, to joyer, to s'en servir naye pour deux ans, pour que to réorganiser l'élection, pour que notre candidat à nous, Nissim Soriano, alias Katumbi, a joué Masolo na Congo. Malheureusement, ces plans avaient échoué. Malheureusement, ces complots des libéraux belges avaient échoué. Peuple congolais avait décidé sur son destin, il y a qu'au voter moi Namboka, Félix Tshisekedi de Tshilombo, Fatshi Béton. Il y a un lelo a démontré par preuve qu'il est réellement congolais, réellement il a l'amour du Congo, il est patriote. Voilà pourquoi va mindele bazo linga été. Na yebisa ki awa que le Congo na biso, c'est une poubelle. Le Congo est considéré comme une poubelle, un dépotoir. Ba ko tcha jamais un congolais de père et de mère na motu ya mboka o. Na pesa ki exemple, ya mo Zaïre. Zaïre qui veut dire zone africaine international réservé aux étrangers. Yango monaka ba mindele ba linga ba imposer biso ba étranger. Je pense on a moi un éminent historien, journaliste et je crois en Belgique à loba par rapport à ba origine à Mobutu. Mobutu avait des origines togolaises selon ces professeurs là. Vous comprenez? On remarquait que les vrais congolais au ba dirigeant Congo oyo ba mena ba vidir entre autres Moïse Kabila. Vous comprenez? Alors pour eux, comme le Congo c'est un dépotoir, comme le Congo c'est une poubelle, il faudra nous imposer les étrangers. Parce qu'un étranger, ça sera toujours redevable, n'a pas tout à payer le pouvoir. Mais moi, dans mon cas, tu sais que parce qu'il est congolais de père et de père, de père et de mère, voilà pourquoi il est redevable avec le peuple congolais à payer le pouvoir. Et c'est la différence. Maintenant, les Blancs ne veulent pas cela. Ils veulent nous imposer toujours les étrangers. Il y a un moment où ça par tous les moyens pour nous imposer Soriano Nissim alias Katumbi. Malheureusement, aussi mbaté na Congo. Est-ce que nous avons créé mon amboka Félix Antoine Tshisekedi boulevard T pour que Akende gagne deuxième mandat à sa propre succession? Fayulu, je vous avais dit autrefois, il ne représente rien. Qu'il soit candidat ou pas, Félix Tshisekedi va briguer son deuxième mandat. Parce qu'en face de lui, il n'y a pas quelqu'un au hasard à carrière ou faire face à lui, ou un challenger à Makassi, il soit Félix Tshisekedi. Tous ces leaders-là sont des leaders mineurs, hein, parce qu'autrefois, des Fayulu, des Nissim Soriano, Alias Katumbi, des Lise Sanga, Matata Ponyo, tous devant Félix, Baba Poua Mouche. Voilà pourquoi on a autorisé ça, Awa. Fayulu n'a fait que répondre na oizala ki ba besoin ya mettre na bango ya ko renoncer pour laisser la place au candidat potentiel ya européen na ba occidentaux qui est Nissim Soriano alias Katumbi. Donc qu'il soit candidat ou pas, je pense que Félix allait le battre parce que Fayulu ne représente rien. Il n'a pas un poids politique wa ko faire face na Félix Tshisekedi na l'élection 2023. Au regard surtout il y a une réalisation nyonso au Félix Tshisekedi dans 4 ans. En tout cas, Lelo a gagné confiance. Il y a un peuple congolais. Il y a place où il a voté en 2018. Lelo, tous ces peuples-là, à l'unanimité, va comprendre que non. Voilà l'homme qu'il faut à la tête de notre pays pour que s'il y a un problème, il y a un situation politique, il y a un annonce qui a eu le début de l'émission. Et il y a un ça. Parce que Lelo, Oyo. Na ba oyo ba lobakate mais lelo oyo ba kozwa ba komata en créneau pour que ba meka un peu kota la situation politique ya mboka na biso lelo oyo est-ce que ekobangisa te na futur proche awa et mboka oyo et vivre ba tamoko ekozala ba tamoko et très palpitant na kati ya République démocratique du Congo. De l'autre côté, Martin Fayulu a se retiré na ba élection. Mais totali sou na ngambo kuna boye le président honoraire Joseph Kabila alors, il était calamingawa, à tenir
et à cause de la face à la population congolaise, na adresse à cause de la nation congolaise, face à la situation politique et coléka, na temps oyo pour na nini à sauver situation chaotique, y a combien de situation chaotique et coléka na kati ya République démocratique du Congo. Interpellation à nani osomo na mboka et kolobela o nini face à la situation actuelle y a politique à République démocratique du Congo. Moi, je pense, comme je vous avais dit autrefois, il est permis à tout le monde de rêver. Il sera face à la population. Il a fait 18 ans. Quel jour il a pensé à cette population? N'est-ce pas la souffrance? Il y a peuple congolais s'appelle Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est lui qui est à la base. Il y a tous ces chaos dans Mboka Oyo. Il a infiltré ce pays à tous les niveaux. Lelo, il veut nous dire que non, il va s'adresser à la population congolaise. Voilà, il y a l'insulte, monsieur le journaliste. Parce que les malheurs de ces pays s'appellent Kabila. Mais il y a des gens qui ont été formés. Et les Congolais ont quand même collé par 300 francs. Et le prix, il y a flambé, il y a prix sur les denrées alimentaires. Hier, ils ont été justifiés. Il y a des gens qui ont été justifiés. Il y a des gens qui ont été avec des Mwanga Chuchu, les Rwandais, qui pillaient nos richesses au profit de Rwanda. Il y a des gens avec l'infiltration au niveau de dans tous les niveaux à Mboka. Il y a un service à renseignement, dans le niveau à armée, il y a un Mboka qui est dans la condition. Donc Kabila n'est pas un modèle dans ce pays. Et si moi j'étais à sa place, j'allais me taire. Il n'a pas de leçons à donner aux gens. C'est taire à Saline à Ngota et Belende, les lois à l'obéité, et na bombi bombi pe ma be, et c'est n'a l'oba pour que la population peut aller, la situation n'y a pas de vivre, la situation n'y a pas de vivre, la place publique pour que la population est bika. Parce que les lois à l'obéité à Sangisaki, et Zalaki Bongo, ou tous les 16 juin à Sangisaki, c'était un vendredi, à Sangisi famille politique n'a pas de vivre, bon CDT n'a pouvoir en place, bon Zalabomoko, pour que Bomoko. Kouana tout sauver situation chaotique ya mboka et puis ngai moko Joseph Kabila na kosala adresse na nation congolaise non comme président honoraire mais président oyo akoluka ko sauver situation chaotique ya mboka maloba na nyoso et kobangi sa pouvoir en place de. Je vous avais dit il est permis à tout le monde de rêver comme Kabila rêve debout comme Devos Kitoko rêve debout. Je t'avais dit autrefois au cours d'une émission pour que Kabila azala candidat na mboka oyo il faut akoufa à Botami à changer Congo. Vous comprenez? Si tel n'est pas le cas, qu'il cesse de rêver ou de distraire peut-être Batumuki bazo landaye wana ba ofi ba ebambongo wana pour le faire plaisir. Kabila ne sera jamais, je dis jamais, président dans ce pays. Interroger peut-être notre constitution Ezamalam. Alors, il veut faire plaisir à qui? Je vous ai dit ici que le malheur de ce pays s'appelle Joseph Kabila et tous ces flatteurs-là autour de lui. Les lots qui ont souffert les lots. Situation autre, ce qui a hérité, ils ont causé par Kabila. En signant des accords avec des Rwandais, il y a que cédé Mboka Oyo dans les Rwandais. Et les lots maintenant, il a fait 18 ans. Asilisa a tué dans l'Est, et les lots aussi ça a tué dans l'Est. Vous allez aussi moquer le peuple congolais, surtout la partie est en Bokanabiso. Moi, je pense que Kabila, d'abord, il n'est pas un modèle. Il devait se taire. Le coup, le peuple déjà congolais, à cause de la volonté, il y a Félix Tshisekedi, de triste mémoire. Mais il y a une souhaité. Achouba Mbelina Pota ya mitema ba Congolais ou azuki ça pendant des années. Akobenga situation ya pays, il y a une situation chaotique. Mais les situations chaotiques, Tshisekedi a hérité, il n'y a pas un an. N'espère pas na Kabila avec plus de 200 groupes armés. Mais de quoi Kabila a réussi à se lever dans Mboka? Oh, il a tellement pas le dit que non, situation chaotique dans Mboka. Mais Tshisekedi a hérité, situation n'est pas un an. Il n'y a pas Kabila, n'est-ce pas? Il y a un groupe armé, il y a un Rwandais. Alors, Kabila a se moqué dans le peuple congolais. Malgré cela, tout le monde a rassuré mon amour à Joseph Kabila Bimi, Nzela, Tchango, Batba, Koubele, la E, Oumela, Zonga, Oumela, Zonga, mon amour. Bah, Congolais, on va savoir combien. On a vu ça, ah, non? L'inconscience de Bomimboka Oyo. Il y a une certaine opinion, au moins, les Congolais, de par sa nature, tu peux venir chez lui aujourd'hui, tu le fais au Salier Mabé, l'Obé au Pessier, Mbongo, à Boussani. C'est ça, les Congolais. C'est ça les Congolais. Il y a un moni ba ennemi en Mboka, il y a un bémoué. Ce que l'ingo soit Congolais, Pesaye Bière, Mani, Mbongo, Naoumen, Mouassi. C'est stratégie ou de Kagame qui se fait en Mboka. A Tchela, homme politique, des femmes rwandaises autour d'eux.
Ajou ba politicien congolais, achili ba ngombo manger. C'est ça le problème ya congolais. Kabila qui nous a fait souffrir dans ces pays pendant 18 ans. Lilo o aleki na changu au moins une certaine opinion inconscient qu'ils sont, ba betele maboko. Et on a besoin inconscience na biso yango wana. Et on a besoin qu'au cours d'une émission, si certains congolais ont fléchi, il y a encore 7 millions de congolais, plus de 7 millions de congolais sont encore debout comme nous autres ici. Est-ce que adresse ya mona mboka Joseph Kabila ko sala kala mingi ya te et ko ningisa pouvoir en place. Et ça sans impact. Parce qu'il ne représente rien Kabila. Peuple ni vraiment vendu Balandi Kabila Nassim. Il était au pouvoir. Il avait l'impérium. Mais peuple congolais Boyaye. Il faisait tout Naminduki pour asseoir son autorité par les armes. Par la dictature. Peuple congolais Boyaye. Il avait l'impérium. Mais lelo si il y a un impérium, pensez-vous peuple Wana Balandi Kabila Nassim. Mais lelo yo mona mboka Joseph Kabila akoloba ete dictature ekobotama na ngambo ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo dictature oyebotami na ngambo wana ekokani na dictature ya Joseph Kabila. Je pense jusque là Tshisekedi abomina Rossi Mukendite Thérèse Kapanga la kufina noté ba combattant des pèces baza calciné na part en permanence na bango te non to moni ba combattant ya parti politique moko calciné dans leur propre permanence. Non, tout le monde est enlèvement. Il y a des combattants à IDPS. Si les lots, ils ont porté disparu. Si les lots, ils ont combattu à IDPS. Dans le régime à Kabila. Kabila a moins de mboka haute. Tant qu'on a une dictature, il avait miséré la presse congolaise. Il y a mis un journaliste qui a critiqué Kabila. Journaliste. Mais les lots, toujours mon. Des soi-disant journalistes. Oyo, moi, je suis Alexis, je suis minable. Inciter le chef de l'État à la longueur de la journée à la aucun d'entre eux n'a inquiété. Alors, tant qu'on va avoir une dictature, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Le régime Kabila est à tout le monde n'a pas force commune dans Maloukou. Régime Kabila. Ma force commune dans Maloukou. Régime Kabila. Donc, ça, modèle était. Allah Moussa, Milibo, Congolais, ou Koufati, Kabila. Il devait se taire. Jusqu'à sa disparition. Ce n'est pas lui Kabila. À quoi tirer que non, alors ça l'adresse le peuple congolais. De quel peuple on le voit? Oh, la Boumaki. Thérèse Kapangala, à sa victime à la démocratie. Rossi Mukendi, victime à la démocratie. Nos combattants, victime à la démocratie. Et de quelle dictature parle-t-on aujourd'hui, Kabila, le régime de la dictature? Les lois sont moni bakanginani, arbitrairement dans Mboka Oyo. Pas d'opinion na politique mais ba combattant IDPS ba koufi à cause de l'opinion politique na bango baza calciné à cause et pas yapi pepper de pelo ba qui était ba combattant IDPS ba na ekobimisa ba maloba oyo ezali ba maloba ya acharnement ba maloba oyo ya kofinga ba maloba ya diffamation ba maloba ya ndenge na ndenge oyo pepper de pas ko accuser ba yango il fallait ko boma bango musa justice ya lini lelo ba osala yango na ngomba pepper de. On a vu un député de traiter les chefs d'État d'un inconscient. Mais Franck Diongo, fille député national, au moins sorti dans ma cala. Mais ce député-là est vivant. Et pas au siéger dans quatre hémicycles et l'Assemblée nationale. On a vu Batouya PPRD traiter les chefs de tous les mots. Bakanganay. Bakanganay. Babomanani. Bako réclamer Jimmy Mukendi. Babomanani. Et Jimmy Kitenge plutôt. Jimmy Kitenge. Il y a des problèmes avec la justice congolaise. Il y a des problèmes avec la sécurité. C'est ça la beauté de la démocratie. La démocratie est une liberté. Il y a un temps selon les lois de la République. Jimmy Kitenge. A ça la mission combien? Bakanga était pourquoi? Mais à quelle sorte les missions que l'on a fait? Non. Les régimes en place, ils ont préparé Koboma. Vous imaginez gravité le langage. Mais il devait maintenant présenter maintenant suprême. Tant à lobby, ok, bazo préparé pour éliminer l'ancien président. C'est grave, l'allégation a marqué. Toi, un libertinage, tu te permets de tout dire. Maintenant, démontrer ça maintenant, parce qu'on suppose qu'il y a des informations sûres et vérifiables et que non, il y a un complot qui s'est tramé contre l'ancien président et sa famille, va éliminer par ce régime. Alors, il devait répondre à cela. Le lingue mongope, bongope ba ko accuser le lo IDPS à l'oba qui était ba ko pesa ba militant machette pour que ba bunda na terrain. L'IDPS n'a jamais dit ça.
La parole, c'est aussi une arme, non? Pourquoi il n'y a pas de CG? Il y a une vidéo qui n'a pas de Mindouki. L'arme, la parole, c'est aussi une arme, non? Comme Bissou de PS, arme n'a Bissou la plus efficace, et ça dit Maloba. Vous comprenez? Alors, moi je pense que Kabila devait se taire. Ok? Ce qui est l'eau, a zovaqué librement, il doit dire merci à Félix Tshisekedi. Tshisekedi a été haï au début par le peuple congolais parce qu'il a battu la Kabila. Même nous, les combattants, il est difficile de digérer Yango. Quand on nous demandait que non, tu considérer Kabila comme notre frère, il y a qui facilité aux combattants. Si on a dit que les combattants à Limoua, à cause du régime à Kabila, il y a qui facilité. Mais ton diba Yango, au nom de la démocratie, ton diba Yango, tu accepté comme tel. Et c'est lui le messier, oh, va protéger avec tous les bavirois commettant en Mboka, avec tous ces régimes, avec des forces communes, avec des tueries, avec des calciner, bah, combattants IDPS. Bah, Rossi Mukendi, bah, Thérèse Kapangala, Lélo, il se réveille pour s'adresser au peuple congolais contre le régime, on est protégé. Je pense que Bato, bah, conseiller, bah, je induire une erreur. Nabanziete lelo oyo toko beta masolo ne to lobaka mingi mingi to beta masolo ya mboka masolo ya mboka to beta ya ngo pour que congolais nyo so dala informé parce que dali mosala oyo bino bo pesa pe botinda biso ya kosale la rabino mokolo na mokolo ete bozala toujours informé ya ngo biso pe toko fouillé toko fouiné même partout pour que to dala toujours na ba information oyo toko partager toko kabola na bino parce que lelo oyo situation ya mboka na biso e ko préoccuper ba congolais nyo so ezala de quoi na ba diaspora ezala ba oyo bazali na ba pays ebele ebele na ba continent éparpillé lelo oyo situation ya mboka na biso ozali congolais mboka oyo situation politique ya mboka oyo ko concerné yo même si ko loba ete nga ko betela nga sou masolo ya politique ite ko betela nga sou masolo ya politique ite mais mokolo musu ko lala ola muki boye okuti boye mboka ezali sous te yo motali boso ko regretter Nazali, Nazangi origine. Et ça l'occasion aujourd'hui deuxième soki nationalité au commis soki français soki nani mais yebara ke makila na wiz ali toujours makila ya Congo. Ogozwa papier wiz ali papier mais makila wiz ali ko couler na veine na wiz ali makila ya Congo. Na bandi ete lelo oyo mwana mboka président Marcel tolali tolamuki to moni bongo décision ya Union européenne ya ko libérer bana mboka Emmanuel Shadary na Kalev Mutong ete uto mokolo ya lelo bakoki kozonga na espace Schengen bakoki kozonga ko vague ko sillonner tranquillement parce que l'Union européenne a quitté bango na sanction e ezalaki likolo na bango. Est-ce que lelo to komona ete communauté internationale e kobata masu sima ya Joseph Kabila te parce que après avoir kaka ko bima ko sala ya encore auto ko benga sortie médiatique ko sala ya encore ko sangisa encore famille politique lelo oyo to ndi komona Union européenne to ndi komona communauté internationale a kozonga neti kozonga sous sima ya mwana mboka Joseph Kabila. Est-ce que nyonso e kosalema oyo to koloba ete communauté internationale ti ba ko se présenter le koloba traître ya République démocratique du Congo bazalaka déjà ba traître na otoy biso awa que Tshisekedi a commis bête noire pour ces impérialistes là. Voilà pourquoi pour eux tous les moyens sont possibles pour arrêter Tshisekedi, pour utiliser n'importe qui. Même la sortie médiatique aux hommes de Joseph Kabila, Awa, ils sont toujours téléguidés par ces gens-là. Yebisangai, ces personnalités, il y a Kabila qui sont sanctionnées pour quoi? Et pourquoi les lots vont lever sanctions? Cela se justifie par rapport à quoi? C'est justifié par rapport à la décision de l'Union européenne. C'est ce que j'ai dit. Ils ont été sanctionné pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait qu'il va lever mesure ou c'est pour vous dire qu'il y a l'angui sous roche. Mais quant à nous, sanction ou pas, Batouana va représenter et le Kouzamboka Oti. L'Union européenne, tu as que Baroulaka toujours pour un dictateur ou Basalaka, Bazan obédience na Bango. Mais ça que Awa, le plan est déjà en marche. L'Église catholique, certains opposants, parce que c'est Batounion Soana, bas ça la bloque, n'est-ce pas que au cours d'une émission contre Félix Tshisekedi aux élections. Parce que bata la kate, bah mais il faut jauger les niveaux. Il y a popularité à opposer, mais tali que ah Batou,
sur le terrain ba ko le côté yango ni mundi la comme changer ba carte ayebi que sur les voies démocratiques les élections candidat moko faire face na Tshisekedi d'Azati yango montu qu'ils avaient opté pour l'insurrection ba faire porter à l'opposition un plan ya o semer chaos ba meki avec les M23 sur terrain les fardés ça contenir bango maintenant mindele ba komi maintenant ba éviter ba komi en mal la stratégie toutes les stratégies mises en place pour faire bloquer Tshisekedi ba échouer na yango ba yebe que non les M23 ba ko marcher ti na Goma pour ba contraindre le chef de l'État à négocier avec eux chose que nos fardés avec nos groupes de défense les Wazalendo ba contenir ba soignon sur M23 maintenant ben la deuxième carte va faire porter à l'opposition un plan de créer l'insurrection, de créer le chaos. Ce plan a été déjoué par nos services. Bah, maintenant, bah, sur le plan, il y a l'élection. Bah, parce qu'il y a une pression ici, non? Bango. Non, mon ambassadeur, il y a États-Unis, awa. Non, les élections dans les délais. Mais dans les délais. Ils ont compris que sur le terrain, le train des élections est déjà en marche. Et puis, mon amour, Félix Tshisekedi, Azo pointait toujours la première place. Selon le sondage, na bango moko ba impérialiste wana ba comprendre que ceux qui na voie élection moi na mboka ko gagner biso faut ça ni faut maintenant utiliser tout le monde même sorti mais est-ce qu'on a Kabila wana il y a l'angui sous roche mais malheureusement Kabila au pouvoir et Kabila aujourd'hui basa deux personnes différentes et le peuple congolais asa derrière son chef de l'État les chefs de l'État à l'impérium tout ce qu'ils peuvent ba écoute nana peuple congolais na Nigeria na bango et puis que nos services baza en œuvre Kalev Mutondo oyo dossier na ye ezalaki bongo très recherché lelo oyo komona lui a dégagé situation bisopé awa déjà na kati ya République démocratique du Congo et kota ambiguïté na kati ya dossier Kalev Mutondo ti lelo oyo. Est-ce que ils ont ligné beaucoup et mon misanoté que mon toi salim a bien à qui n'a pas eu qui m'a naïe pour ça la magamna n'engue à ligné après à zongi boue à salim lavé par la justice mon aboka n'aie bien ça que les impérialistes tant qu'on va soutenir yo dictateur na pouvoir tant qu'on osa redevable pas na yabango peu importe babilo rozo commettre na mboka na yabango on lavé toujours y a un moment les preuves sont là. Parce que Kabila a été président au Congo par leur volonté. Il y a un moment où il part, il y a un moment où Kabila a commis le pouvoir. Il y a une fausse commune, il y a une maltraitance, il y a une loi, il y a une loi. Parce que les lois, il y a une loi droite, parce que Kabila est protégé par Félix Antoine Tshisekedi. Il y a une loi, il y a quatre leaders, Kabila est protégé. Quatre leaders, Kabila est protégé par Félix Tshisekedi. Il y a un moyen, et Kabila a livré les alités, parce que Félix a livré les mêmes. Tshisekedi avait compris une chose. Togo a toujours causé la soumise à la dictature impérialiste. Le Congo a connaître pour la première fois tout ça la remise et reprise entre le président entrant et le président sortant. Ils ont dit qui moko fait tout protéger yango. Voilà pourquoi Tshisekedi avait estimé que non, Balobape que non, qu'il y a un ancien président au Congo. Parce que contre l'ancien président, ne serait-ce que pour ça, il fallait faire réfléchir Kabila na Batunaye. Pour Tshisekedi qui m'a bé. Alors on a cédé. Combien de fois ça lui va voyager, va tout à Kabila. Il n'a pas voulu céder à la dictature, à l'impérialiste. Malheureusement, Bango Moko, Bazo comprendre le Bazo sur la politique. Si c'est quelqu'un qui m'a bé, mais il pouvait livrer Kabila. Tu sais que d'aquel poto, dans États-Unis premier voyage, Bazo s'engagé même, qu'on réaménager armée à Longo là-bas. Anciens officiers qui travaillent dans Kabila. Mais il y a un mot. Ils sont des militaires congolais. Si hier, ils ont commis une exaction, une bêtise, ils ont occupé de changer. Parce que sous l'impulsion, il y a un chef. Les militaires, est-ce qu'ils ont commis une bêtise avec le régime passé? Non. Parce que le leadership est changé. C'est ce qu'il a dit ça aux Américains. Il faudra se débarrasser de tous nos généraux, Tango Fort et les autres. Mais Tshisekedi a compris que non, la politique interne ne concerne pas les impérialistes.
Donc, je dois protéger l'ancien président qui est Joseph Kabila. Malheureusement, dans le bango. Pourquoi si quoi le lobe tu as IDPS, ben de IDPS, pas qu'on pleurniche face il y a Ndeko Joseph Kabila. Donc, si Ndeko Joseph Kabila soit allé protégé par Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que problème est allé sous soi? Toujours pleurniche t'es. Réponds à la question. Naïsa Yusso Awa, Kabila c'est la sortie médiatique et pas Nabiso et l'obé le côté parce qu'on s'est la paix le côté. Parce qu'il ne représente rien. C'est ça le problème. Ceux qui coûtent l'IDPS au pouvoir et l'IDPS à l'opposition, tout ça la face na Kabila. Et l'IDPS au pouvoir, tout le monde à Kabila. Papa, détrompez-vous. L'IDPS est une machine. Ils sont une machine. Na opposition, tout l'élisa, le régime Kabila. Kabila est là. Jusqu'à quand avec les génissins à l'Obayango? C'est l'IDPS à l'opposition. Et si quand l'IDPS au pouvoir, avec son président qui a l'impérium, Kabila va nous faire peur. Papa, non. Mais, je pèse à Yonde. Même moi, il y a commis le rôle de poids des mesures. Parce que je dis ça, il y a un sit-in. Pour que le bango clair, il y a un sit-in dans Ngambo et Seni pour réclamer l'élection crédible. Mais le Oyo, opposition en place avec les quatre leaders, va que ça la sit-in, va que ça l'intercaler. Pourquoi des poids des mesures? Est-ce que Kabila permet de faire un sit-in ou non? Politiquement, un rapport de force. Ce sont des pérés. Kabila permet de faire un mot. Et ça, c'est tout. Na banda qu'on a mis sur le bateau. Tout le monde a pris maman qu'on a séni. Never brut. Tout le monde a mis sur le bateau. C'était ça, non? Parce que Kabila ne voulait pas sur la cité. Banda qu'on intègre les bisous. Bah, c'est pas policier partout. Politique, ils ali kéboté. Tout le monde est politique, ils ali réservé. Tout le monde nerf solide. Parce que la politique, ils ali rapport de force. L'IDPS a monté à la face du monde qui est qui parti au bazar qui déterminé pour changer mot cannabiso. Il y a mon biso, on avait bravé la paix. Ton dima qui va cannabiso, ton dima qui va prison, ton dima qui va torture pour nous défendre mot oui. Il y a mon mona sitting, tout se représenter, tout se présenter wana. Tout continue à macadam. Police a béti ba gaz, a bomi a kuboma, on était là présent. Tout va nous banga le côté. Mais bango politique va payer sa moto cadeau dans mes satins. Non, on paye son cadeau. Toi, tu veux, Olingi, au quoi sa régime, on paye son cadeau. Au nom de la démocratie, même n'importe quoi, ça l'a raté. Là, qui sait de quoi est-ce que vous êtes capable? Soit vous avez réellement un peuple, un militant, qui dit ça, on a balabala, tout ça, vous avez puissant. C'est pour les gens qui ont dit, ok, nous sommes en face d'une opposition faible. Très faible alors. Il y a un moni, tout ça, la cité. Ça que j'ai dit, ouais, bien, on l'a tout ça, la meeting, ou à lelo. C'est ça le problème. Bakokate. Mais parce que loi et répartition des sièges déjà si ils ont déjà passé. Bon, mon sitting est sous importance dans la chose. Ce qui est raison pour laquelle sitting est là qui est en mais les lots, ils ont déjà passé. Ah, là, il faut maintenant que les quatre leaders ouana. Bon, c'est sur chaque jeudi, la sitting. Ils ont gaïté. Na bandi ete lelo oyo lokola tokolobela toujours ma pona mitu la di bongo secrétaire général ya parti au pouvoir c'est UDPS mon amboka Auguste Kabuye pa iwa pia lobi ete et alobeli a beti masolo ya makambo etali élection a beti masolo ya makambo etali et non présentation ya nani ya Fayulu et les restes est-ce que maloba oyo ya lobi wana pona yo mon amboka président Marcel ou jugé ango ndengeni. Gaïna a prouvé maloba wana au CG à lobby. Parce que tous ces quatre leaders ont besoin de représenter le comme côté. Katumbi, alias Soriano Nissi, Fayulu, Delice Sanga et Matanta Pogne. De qui parmi les quatre au monde qu'on fait face à Félix Tshisekedi d'Azat hein? Oui, si quand puis mon amboka le CJ Koloba même si bah suis bah tu es faillu à la tête c'est seigneur ou déclarer toujours Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai. Aza na choati parce que la manière dont Félix a rebattre candidat na bango wana il sera obligé ya ko proclamer Félix comme président de la République. Est-ce que d'aller moi été à repenser derrière Denis Kadima position face à l'élection d'aller courir. Non, face à position comment? Moi j'ai ma déclaration oyo notre CJ a fait et puis ezali vérifiable sur terrain. Parce que le peuple congolais, à l'unanimité, va se décider pour nous repérer sa Félix Tshisekedi du deuxième mandat.
C'est clair que ça. Alors, nous avons déjà cité comme on a dit, nous avons déjà cité il y a un problème, c'est que nous avons triché. Mais non! En fonction de ce que nous travaillons, nous avons été mis. C'est ça le problème. Tant que nous avons un député provincial, mais il est sûr dans l'électorat par rapport à l'électeur sur le terrain. De la manière dont nous avons travaillé, dans le fief électoral, il y a un sûr que nous avons un député. Pourquoi les Congolais veulent voir les Noirs partout? Si on a un que nous avons posté, il faut que nous avons son habit qui n'a pas joué, c'est que le roi m'a dit que va préparer tricherie. Ça, c'est quelle approche ça? Moi, je pense que tout candidat au réseau postulé, qu'il soit de l'IDPS ou pas, il est libre à colombaké. Non, ma candidat par rapport à l'électoral, fief électoral, n'aille, n'a pas travaillé, n'a pas dit qu'il n'a pas ma candidat, n'a pas dit ma député provincial ou député national. Il est libre de dire ça. Mais pourquoi maintenant qu'on insinue que non, le roi m'a dit que c'est bon, c'est qu'il va préparer tricherie? N'a eu tel ça, ah ouais. L'opposition prépare la contestation. Et puis toi, na oroyo kayango. Ba yebi bien que qu'aucune élection Tshisekedi des alliés likama. Ba yebi yango bien. Tshisekedi a combattre bango. Même ma fief électorale na bango combattre bango. Ba yebi yango malam. Si qu'on peut pas préparer déjà une certaine opinion na contestation, voilà ma déclaration, ma allégation. Oyo ba kitoko bazo sala. Préparer déjà une certaine opinion dans la contestation. Donc, il y a une tricherie, opinion est là. Mais tout le monde est sur le terrain. Nous sommes des politiciens, tout le monde est sur le terrain. Que Félix a battu Bango. Dans toutes les provinces, tout le monde est dans le nord, le sud, le peuple a joué le bas. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avec moi, je suis Félix, en tout cas, tu peux essayer le moins, tu peux voter, tu peux voter. Est-ce que Nagwado est faillu? Nagwado est faillu. Il est faillu. Il est faillu. Il est faillu. Il comprendre que non, par rapport à ba, Misala ou Félix, c'est dans 4 ans, le peuple congolais comprend que tu joues réellement moi, Namboka, ou tu as une vision, ou tu parles de Biso, Namboka, Nabiso. Il y a un moment où tu as déterminé, tu peux essayer de voir Nabiso. J'ai suivi, je crois, avant-hier, population y a Nord Kivu témoigner en faveur de Félix Tshisekedi. Il est le seul président automoni à un souci dans le bateau est. Il y a mis un souci déclaration à Bongo et que plaire Fayoul et que plaire Katumbi. Non, il y a mis que l'opposition prépare la contestation. C'est ça leur problème. Il y a mis que l'élection est toujours parce que quand il y a mis un bien à Sali ou la journée porte ouverte il y a 5 jours. Venez avec vos revendications, tout traiter en ensemble, tout dégager la zone d'ombre, oyo, bozé na mitou na bino. Baboya koya. C'est ça le problème. Et tant que boboy maintenant, mais bozé imposé nini, c'est ça qui awa, les cartes qui sont toquées dans la négociation. Pour passer la santé financière, bazo ba poste ministériel, ba nini. Si c'est qui tenance, à boya lobi ki, allons aux élections. Et on va ça bloquer maintenant. Mais il faut faire des discours, des allégations pour préparer une certaine opinion que non, au moment de l'élection, Kadima a préparé de la tricherie, les décors à tricherie d'ailleurs plantés par Kadima, pour pas préparer contestation en 2023 en décembre. Malheureusement, le peuple a yébi, il a voté, il a voté. Qu'on l'a déterminé. Il a sanctionné, il a voté Irne. Il a voté Katoum. Sorien, il a voté Nissi. Il a voté. Congolais, Nani, il a parlé de Selechbot. Il a voté. Congolais bazali ko voter et Congolais bazala ye moko face ya urne face ya bulletin de vote na ye moko oyeba kombona ni avoti na Congolais azala ka toujours face à bulletin na ye tant on la face à bulletin na ye ako voter moi na mboka Congolais de père et de mère ako voter étranger té c'est temps est déjà révolu ya ko voter ba étranger moyena ba billet vert Congolais ça comprendre les preuves sont na pesa awa na marche na bango le 20 mai ya le 20 mai. On a vu des Congolais refuser l'argent à Katumbi.
Nabandi ete lelo oyo tokobeta kaka ne tokoloba tokobeta masolo ya mboka lelo oyo avant que tolongwa na sujet oyo ya vie politique ya République démocratique du Congo tokata bongo na situation sécuritaire ya est ya mboka na biso lelo oyo bande konosu baye na union sacrée ba ko jurer que candidature ya président Tshisekedi comme na puna na tête ya candidature ya présidence ba ko jurer et mon mboka Félix Antoine Tshisekedi mais tozali na parlement et qu'on contenir 500 députés 109 sénateurs bande ko wana nyosu lelo oyo soki président de la république question na tuna ka ngomingi parce que tolingaka toujours certitude président de la république a causé les sous contrainte ya ko basculer encore lo lenge kanya bascula ki na union sacrée na ba ma pona mezali ko ya mon cher laissez-moi vous dire les élections au Congo isa sociologique et tribal. OK? Aucun parti politique, je le dis bien, aucun parti politique à lui seul a encore raflé majorité dans Katia Assemblée nationale. C'est ça la vérité absolue. Mouta ko saoti, je dis bien aucun parti parce que les élections au Congo, isa sociologique et tribal. Na pèse exemple. Mon grand frère moi par exemple, moi je suis de l'IDPS. Mon grand frère est du PPRD. A postulé comme député national, on a voté. Non. Bien que nos divergences, beaucoup ont voté de Gonaïe. Alors, pour nous, l'IDPS est maintenant. Togo, c'est fort. Au moins, on a qui notre CG, il a parcouru beaucoup de provinces pour redynamiser les partis. Le souci est quoi? La vision est quoi? Togo a un grand nombre de députés et permettre Bissot, tout le monde, sa premier ministre. OK? Et permettre IDPS et soit président de l'Assemblée nationale. Pour ça, aujourd'hui, en termes de députés, parce que les partis qui aura beaucoup de députés, la majorité, il y a nos postes de premier ministre, n'est-ce pas? Soit IDPS, par exemple, aujourd'hui, 150 députés nationaux, au moins, tu es toujours poste de premier ministre calmement. Mais dire qu'un seul parti et soit majorité, c'est-à-dire 250 plus 1, dans le Congo, c'est impossible. C'est impossible. Yango moni, la constitution est prévoyant toujours nini coalition. Parce que à vous seul, ils a difficile. Na autobiso awa élection na Congo ils a li sociologique et tribal. Na pèse exemple. Mutukula peut-être Willy Bakunga. Na fief na ekuna na nini na Tshwapa. Mais il est roi. Na pèse sur exemple monsieur Awa. Jekoko Mulumba, na 2006, na Kingabwa, batu nyonso, tout Congolais, a boi Kabila, na 2006. Ok? Mais Jekoko a postila comme candidat à PPRD na Kingabwa, abima premier. Oye pouani, ba vote par rapport à Kabila te. Par rapport à ye Jekoko, na fief électoral na ye. Ya on a autant dit ça, ok, ben l'élection ali, sociologique et tribale. Il y a un moni, moutou moussousou, à cause de la peut-être moutou n'a pas mais n'a fait le temps à roi. Va voter pour Nayote. Voilà pourquoi Bisso IDPS maintenant, nous avons travaillé sur ça. Ok? Nous avons des leaders. IDPS qui produit des leaders. N'a pas l'élection à tour Oyo. Pour que tu rafles au moins à ta 200 députés nationaux. Et que permettre Bisso IDPS, avec la coalition de certains amis, dans le cadre de l'Union sacrée, comme il est sa premier ministre, en obédience à Bissot IDPS. C'est ça la vision et le travail que fait notre CG pour le moment. Il y a un moment où on a sillonné dans toutes les provinces pour redynamiser les partis, pour présenter nos leaders au bac postulé dans l'élection 2023, en décembre. Ah, et je suis sûr et certain, par le travail fait, IDPS a rejoint une grande partie. Il y a députés nationaux et provinciaux dans la ville de Kinshasa. Et permettre de dire tous les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Tout ça qui est une opposition d'ailleurs. Mais nous avons eu au moins 12 députés provinciaux, nos provinciaux. Tout ça une opposition. Et cette fois-ci, nous sommes au pouvoir. Tous les combien? Parce qu'il y a déjà, et Longia Tshisekedi déjà, et contribuer à l'électorat, et à candidat à Bissot. Parce que, peut-être que nous avons ah, nous avons dit que nous avons béton. Ah, c'est que voilà, Moutouna, et tout ça, nini, tout voté. Y a un moment, on a dit que l'opposition comprenant cela, a dit que non, même sur le plan national, sur le plan provincial, tout qu'on soit.
nos députés. Alors, c'est ça, Nini, tu créer trouble. Il y a un monument en Boka. Fayoulou, déjà, il a désisté, il a renoncé. Donc, à comprendre déjà que non, match est ça, ma bépo na bango. Maintenant, comme à Messina, parce que Fayoulou, d'abord, au bel moment, Fayoulou n'a jamais été constant. Il n'a jamais été constant, Fayoulou. C'est un messier où il attend la contradiction de Mamba Lobaka. Il s'est contredit à toute sortie médiatique. Donc, il est inconstant politiquement. Voilà pourquoi Lelo, IDPS et Zali, bien préparés, bien rodés, pour que l'élection puisse rafler une grande majorité, pour permettre à l'IDPS, président de la République, président de la République, Félix Tshisekedi, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est un miroir de Mboka, parce que Gentini a aussi le mot dans une ville de la salité. Donc, Bissomo IDPS, il faut reprendre les choses en main, toujours la ville de Kinshasa, qui est le miroir de Mboka, toujours président de l'Assemblée nationale, toujours premier ministre, et qu'on permette que Moussaï Samamaka et Samamala. Je me disais que dans la situation sécuritaire, tu as été dans la situation sécuritaire, et tu as d'abord un coup de chapeau parce que dans la situation sécuritaire, tu as été amené quand même à avancer dans la situation sécuritaire. Tu as été dans la situation sécuritaire, il y a un mouvement, il y a l'autodéfense, il y a une situation sécuritaire. En tout cas, nous disons félicitations à nos FARDC ainsi que dans le mouvement sur l'autodéfense ou à Zalendo. Ou bah outil que Beta M23 a mort. Il y a eu des morts na côté ba M23. Il y a eu des captures, bah capturer quelques militaires. Il y a RDF, il y a Rwanda. Na moment on a vu sur basan ma boka ba Wazalendo. Les Wazalendo basan ba nan, basan ba force autodéfense. Oh y'aura qui Monisco en son temps. Oh non, les FARDC aza bounana ba groupe armé qui le kouta. Ils ont compris que les Wazalendo basan ba natif ya secteur on a est. Il y a une montagne qui est malade. Il y a un mode opératoire, il y a un M23. Il y a un mode M23 à décrire à chaque jour que non, les FARDC sont dans le groupe armé. Nous coûtons. Heureusement, aujourd'hui, la MONUSCO a voulu induire le gouvernement en erreur. Il y a un groupe de Wazalendo, comme quoi, qui est la formation du gouvernement Boui. Le gouvernement, les lois sont considérées comme réserviste de l'armée, de Wazalendo. Bah on a eu Beta M23 récemment ici, Babotoli, territoire ya Kiluiru. Ils sont entre le même nez à Wazalendo. Et du côté FARDC, va récupérer 7 territoires. Où est-ce qui jadis dans ma boucle ya M23. Na outa ko ebisa awa au regard ya causerie morale que notre chef d'état-major, le lieutenant général Chiwewe Songesha, le pasteur à Salaki, ils ont déjà un message au Alansaki. La RDC tu as dit toujours à la défensive. Ok? Parce que tu as dit bah, respectuer, il y a un bah, accord. Moment où déjà, nos généraux, tu as dit maintenant, dans la phase de la défensive, tu as commis offensive. Cette fois-ci, ça voulait dire quoi? Si on a traduit le message, Rwanda, le Congo maintenant est prêt pour qu'il y ait une guerre contre le Rwanda. Parce que notre chef d'État, il a épuisé toutes les démarches diplomatiques pour Nakulakisa dans le monde entier que mon pays est agressé par le Rwanda et Kagame, mais ça les sourd d'oreille. Et maintenant là, je vous parle, nos FARDC sont bien préparés. Beaucoup de nos forces, bah ma formation de par le monde, dans Israël, aux États-Unis, ils ont toujours pour nous la réforme et armée Nabiso. Maintenant, il y a à mettre en garde notre chef d'état-major à tous les infiltrés, on a pour se permettre de trahir le pays, parce qu'on a une adresse à l'obakini. Beaucoup sont 10 minutes, ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est ça la force de Kagame. Ils ont une infiltration. Ils ont le service Nabiso et travailler sur ça. Et démanteler beaucoup de réseaux. Au Banda qui est en connivence avec Kagame, maintenant notre armée est prête maintenant d'en découdre avec l'armée rwandaise. Laissez-moi vous dire ce que autrefois, le chef d'État avait dit ça lors de son passage en Suisse, alors que la patience a ses limites. Et la même phrase a été reprise par notre chef d'État-major lors de son adresse, lors de sa causerie morale avec nos militaires, Nakata Kankokolo. Les Congos, les grands Congos qui étaient à genoux, les géants Congos, au Kabila, à chaque à genoux, par sa complicité, et bandit côté élément. Maintenant, Rwanda a ses ressentir. Parce que les choses sérieuses vont commencer bientôt.
Voilà, les choses sérieuses vont commencer bientôt, déjà avec récupération à cette territoire, localité, Payabandekoya, FARDC, et puis territoire Moko, il est récupéré par le mouvement autodéfense Wazalendo, et Zali Kolakisaïte. Déjà, les batteries sont mises en marche pour que la situation à l'Est ait un peu changé, parce que la situation a été préoccupée par les Congolais, les Congolais, les Nambo à l'Est, tout le Bakayango, ma maman, Bazali n'a pas sa pompe de terre, n'a ngombe fraîche, n'a kimi. Il y a besoin de la bilanga na bango na kimia, il y a besoin de la activité na bango na kimia, kasi insécurité oyo topé bozangi kimia na partie est eko dérangé et bongo na bandi été président de la République lokola côté na ka toujours na ba promesse na ye alobaki ya ko se sentir chef de l'État mokolo oyo kimia eko zonga na partie est ya mboka na biso et na bandi été zali pe tard na noté atako un jour avant mandat oyo esi la kimia eko zala pe mokonzi ya mboka na un jour wana ako fait et sengo ya kimia na partie est ya mboka na biso vous allez sengo ya ba congolais nyoso na bandi te président Marcel batunoso bazwaki li bako kolanda yo caméra yango wana liloba na yo ezali nini pona ba congolais nyoso to ebisi bana mboka basala toujours confiance à notre chef d'état oyo ako trahir Congo ta mukolo mokote parce qu'il est congolais de père et de mère à la jeunesse congolaise bo se laisser manipuler par l'opposition l'opposition oyo ba osala je ya ba ennemi na biso oyezali ba impérialiste ba occidentaux et le Rwanda Kagame yango mona kabango ano 15 jours ba condamna Kagame ba condamna Rwanda ba osala le je de l'ennemi si le Fayulu a désisté a sali yango au profit ya Katumbi parce que zali injonction ya ba maître na bango ba européen ba occidentaux oyo ba tindi ya sala yango pona biso ya nango sans objet li reste to pesibi nombote to osala toujours wana pona kosula mai matali mboka na biso tangu ekopesama ezalaki ya bio le président Marcel les sénateurs na pesi mbote na petite sœur nanga partir ya Paris kuna na Nushi Sunda na pesi mbote na master nanga Bruno Nzala yepe na Paris na master nanga ikuna na Paris et petit nanga na Paris die tangama iza wabino le président Marcel o to vanda kinai la côté ya ba nord je crois to komona la prochaine mon numéro c'est le plus 243 81 50 99 123 plus 243 81 50 99 123 c'est ça mon numéro personnel où j'en ai besoin d'informations supplémentaires ou bengingai tout sur la maïmatali mboka na biso place au comprendre malamu te benga biso te kusulu la tokana biso disponible 24/24 parce que la passion du Congo nous dévore. Voilà, la passion du Congo, Isali Bongo, souci à Congolais, nous sommes tous les deux à être, Koki Mambango, Isali synonyme à Kokoma, à destination T, et Kassie Sengeli, pour utiliser l'intelligence parce que même Bandeko Oyo, Bako s'est précipité, et Sengeli Nabango était, Bokondi, et Zoutaka Panzambe, Nzambe, 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 Nzambe